Take a look at what's happened in France. Take a look at Nice and Paris. I have a friend. He's a very, very substantial guy. He loves the City of Lights. He loves Paris. For years, every year during the summer, he would go to Paris. It was automatic with his wife and his family. I hadn't seen him in a while. And I said, Jim, let me ask you a question. How's Paris doing? Paris? I don't go there anymore. Paris is no longer Paris. No. That was 4 years, 4 or 5 years. Paris n'est plus Paris? Ouais. Bah, moi, j'ai toujours... J'ai 20 ans et j'ai toujours connu Paris comme... Enfin, je trouve que ça n'a pas changé après... C'est un peu le cliché de l'Américain qui entend parler d'un truc et qui soudain voilà, dit devant des journalistes entiers « Ah non, 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 Paris, c'est plus Paris. » Ça fait des années qu'il n'y est pas venu. Je vois pas en quoi on doit traduire ces relations à partir d'un symbole complètement ridicule de grands enfants qui sont en train de se secouer à la récréation. Bah, c'est vrai qu'il a l'habitude de tirer les gens. Là, Macron, il a un peu résisté dans son sens. Donc, plutôt pas mal pour Macron. Voilà. Bah, je pense qu'on a trouvé le seul président capable de tenir tête à Trump sur sa poignée de main, non? Donc, c'est une bonne chose. Et forcément, suite à ça, il décide de partir de l'accord de Paris. C'est un peu un enfant dans sa tête. We don't want other leaders and other countries laughing at us anymore, and they won't be. They won't be. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. Monsieur Trump en lui-même, il est comme il est. Et en même temps, je ne sais plus qui disait que nous avons les dirigeants que nous méritons. Donc, au-delà effectivement d'être peut-être révolté ou indigné, on peut se poser la question surtout sur nos choix citoyens. Alors bien sûr, c'est des choix qui ont été faits outre-mer, et en même temps, c'est aussi les choix d'une citoyenneté mondiale aujourd'hui. Voilà, on a ce qu'on a, et il faut faire avec. L'émission de ta présidence vient à Paris, fait un petit boulot. Tranquille, et enfin, tu vas voir ce que c'est. Je connais un petit peu l'histoire des États-Unis, je connais un petit peu sa géographie. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et j'aimerais qu'il ouvre un petit peu son cœur et son esprit de façon un peu différente vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe en général, et peut-être vis-à-vis du monde. On ne sait jamais, ça peut être sympa.